Salut à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo dont sur le thème sera quiz Le Seigneur des Anneaux, à quel personnage appartient cette réplique? Donc bien sûr, je vais répondre à ces différentes questions. Donc il faudra que je trouve par rapport à la réplique quel personnage des trois réponses qu'on me donne. Il faudra que j'essaie de la trouver. Donc c'est parti, je vais commencer par la première question qui est: Je ne connais pas la moitié d'entre vous, comme je le voudrais, mais j'aime moins de la moitié d'entre vous, à moitié moins que vous ne le méritez. C'est Bilbon. Donc c'est la bonne réponse. Il s'agit d'un passage du discours d'anniversaire de Bilbon dans la communauté de l'anneau. Donc bien sûr, c'est quasiment il parle quand il invite tout le monde et qu'il fait un grand discours. Ensuite, un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Ça, c'est dégueulasse. Quand il est sur le rocher là, et qu'il regarde l'horizon et qu'il dit: Un soleil se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Ensuite, il y a un poney n'a rien à faire dans une mine. Je pense que ça va être Aragorn. Donc Aragorn, c'est évidemment Aragorn qui dit ça, refusant d'amener les chevaux dans la mine. Donc voilà. Ensuite, Créteil de Touques, jetez-vous dedans la prochaine fois, cela nous débarrassera de votre stupidité. Donc je pense que c'est Gandalf. Voilà, quand il dit ça, bien sûr, quand l'autre lui fait tomber un cadavre, quand il est à côté du puits, en faisant marche arrière, il fait tomber un cadavre qui était en appui sur un puits, il met un coup de coude et il fait tomber, et ça fait du bruit, et il dit: Crétin de Touques, jetez-vous dedans la prochaine fois, cela nous débarrassera de votre stupidité. Ensuite, il y a des choses que le temps ne peut cicatriser, des blessures si profondes qu'elles ne sont emparées de vous. Je pense que c'est Galadriel qui dit ça. Non, non, c'est Frodon. Donc, je me suis trompé. Il y a du bon dans ce monde, il faut se battre pour y arriver. Je pense que c'est Sam quand il dit ça à Frodon. Quand ils sont à Osgiliath, si on prend par rapport au film, c'est une étrange fatalité que nous devons éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose. Je dirais Boromir. Donc ça c'est Boromir quand il prend l'anneau, bien sûr. Voilà. C'est à moi de décider à qui offrir ma vie, tout comme mon cœur. Je dirais Arwen. Elle dit ça, bien sûr, je pense, par rapport à Aragorn. Ensuite, un bien c'est plus gai dans un cimetière. Donc ça, je pense que c'est Gimli, car bien sûr, ils vont à la rencontre du roi Théoden à Edoras, au Rohan. Je ne vous dirai pas de ne pas pleurer, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Je dirais Legolas. Ah non, c'est Gandalf. Donc je pense que ça doit être au moins dans une scène importante. Ils disent: Bien joué, tu as obtenu un score de 8 sur 10. S'il y a eu des petites confusions, il reste néanmoins évident que tu connais très bien les dialogues de la trilogie. Tu repars donc avec un très bon joli score qui prouve largement tout l'amour que tu éprouves pour le Seigneur des Anneaux. Bravo. Voilà. Donc merci d'avoir vu ce quiz. Si vous voulez que je fasse d'autres quiz, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne. Regardez les autres vidéos. Partagez. Et surtout, n'oubliez pas, rejoignez ma page Facebook aussi, ça serait très sympa. Vu que je vais mettre d'autres contenus, je vais continuer à en faire, mais pour l'instant, je vais surtout continuer à faire des quiz. Je ferai aussi d'autres tier list et aussi je ferai une vidéo spéciale, donc politique. Ça, c'est pour plus tard. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus.